Dopal TV ici à Verkin. Nous avons pris l'habitude. C'est vrai que Dopal TV, eh bien, Verkin, c'est un peu un village pilote. On a tellement fait de choses ici avec monsieur le maire à Verkin qu'on est toujours obligé d'être présent, Thierry. C'est un plaisir, vous êtes là depuis le début, vous êtes avec nous, on a vu progresser aussi, hein, la radio, la FM, la télévision, vous êtes là, il y a énormément de monde, tu l'as vu, oui. Un petit peu froid quand même là, en ce mois d'octobre, mais ça n'empêche pas l'enthousiasme, les gens viennent, les gens regardent, consomment, les choses vont bien, là on a eu notre inauguration et donc le grand maître nous a servi sa recette secrète de poireaux, hein, et les choses vont bien. Ouais. Alors inauguration, c'est vrai, et progrès technique, monsieur le maire Thierry vient de nous le signaler, c'est vrai, et on va pouvoir voir chanter en direct monsieur le maire qui a accompagné donc ce groupe, hein, qu'on peut peut-être parler, hein, qui était un groupe exceptionnel, hein, qui a chanté, là, qui a joué surtout. Oui, bah, on regarde, on peut dire qui c'est, puisqu'on va leur faire un peu de pub. Oui, bien sûr. Ils ont fait sympa avec Band dans le district, et ils ont sorti deux disques, on va les montrer. Oui. Ils sont là, ouais, ça change un peu. Et puis ils ont joué Petit Tambour, que j'ai mal chanté, c'était un souvenir d'enfance. Nana Mouskouri peut-être. Ah là là, là 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 là. Enfin bon, c'était pour s'amuser. Ici on est plutôt décontracté. Alors ils viennent de où ce groupe? Ils n'ont pas voulu me le dire, je leur ai dit vous êtes de la salle, ils m'ont dit non, mais ils sont connus, c'est bon. On a que ça mérite quand même d'être connu. Hein, ça... Ah ben ils sont connus, je crois qu'ils tournent bien, ouais. Alors on vient de voir l'inauguration, hein, comme d'habitude, et bien les gens se promènent tranquillement, c'est vrai qu'on vient, on voit plein de monde arriver, hein, donc comme d'habitude. Quoi, hein. Oui, oui, la température pas clémente n'empêche pas, dans les chapiteaux il fait bon, ici il fait bon. Dehors, c'est un peu plus compliqué, mais les gens ont l'habitude aussi. On est des costauds ici, on se laisse pas abattre par un petit coup de vent ou un petit coup de froid. Ah, c'est vrai que Verkin ne s'est jamais abattre. La preuve, c'est qu'il y avait même la salle n'est pas là et on fait quand même la foire des parents parce qu'en plus, comme disait madame le président, ça change un peu, ça nous donne un côté champêtre. La salle est en travaux, 35 ans, elle avait bien besoin d'un petit coup de rénovation, c'est normal. Pour la sécurité, il était hors de question d'utiliser. Donc oui, ça donne le côté champêtre des chapiteaux, avec d'autres contraintes, mais qui finalement vont bien dans cet espace fermé, donc sécurisé pour tout le monde. Eh bien, merci monsieur le maire, moi je dis Thierry parce qu'on se connaît tellement et puis bon, on ne serait pas faire sans venir à Verkin et retrouver cette interview sur autopaltv.com. Merci à toi.